Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rester fidèles. Hier, on vous l'avait annoncé toute cette semaine, nous allons revenir par pan sur l'événement qui cristallise notre attention aujourd'hui. C'est le 34e anniversaire de la conférence des forces vives de la nation de février 1990. Aujourd'hui, avec le consultant politique Agapit Napoléon Mafouricant, nous allons rester sur ce jour 1, jour d'ouverture. Hier, nous avons eu droit au discours d'ouverture de Robert Dossou et du président Mathieu Kérékou. Nous allons poursuivre à analyser les séquences qui ont suivi l'installation du bureau d'âge, précisément le présidium et les premiers débats autour de cette question de souveraineté. Agapit Napoléon Mafouricant, bonsoir. Bonsoir François-Xavier, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, je viens de l'annoncer. Après ce discours d'ouverture, on a eu quelques débats avant l'installation de ce bureau d'âge. C'est-à-dire déjà que ce premier jour, on est rentré directement, juste après les discours d'ouverture, dans le vif du sujet. Oui, parce que la conférence n'était pas là pour rester indéfiniment, c'était une semaine normalement. Donc ça devrait commencer lundi, ça a commencé Commencer lundi, lundi. ça devrait finir le samedi 24. Bon, après, on se rendra compte que c'est allé au mercredi 28. Donc, il fallait aller à l'essentiel. Et là, le comité préparatoire avait déjà prévu qu'après l'ouverture, il y eut la mise en place donc du présidium, donc du bureau d'âge. La mise en place du bureau d'âge. Mais il me semble que après l'ouverture, le président voulait faire adopter d'abord la charte, le règlement intérieur de la conférence. Et c'est là que le grand débat a démarré, parce que des questions préjudicielles, les motions d'ordre, les motions de procédure, tout ça s'est mêlé, mélangé. Et la méfiance de départ, je vous l'ai dit, les gens étaient arrivés, personne n'y croyait, sinon très peu. Les gens voulaient en découdre, les gens voulaient prendre leur revanche. Donc du coup, alors, une fois Mathieu Kérékou parti, les discours officiels, les deux discours officiels, on est rentré dans le vif du sujet et cible principale, Robert Dossou Robert et Dessous, son comité préparatoire. vous le disiez hier, il a commencé par, on va dire, être pris sous des tirs croisés de ceux Oui, qui il était la cible parce qu'on le regardait comme le visage un peu rétoffé, un peu mondain, enfin acceptable du système. Donc la partie normalisée ou policée d'un système en décret, en déclin. Donc du coup, eux n'étaient pas acceptés. Il faut être clair. Et la plupart, comme je vous dis, la plupart, ils sont venus de l'extérieur. Ils voulaient en découdre. Ils ont déjà tenu des réunions. Il y a des groupes qui ont déjà tenu. Dans le groupe de Degbé, qui était le groupe le plus important et qui a imposé presque le présidium. Et après, la souveraineté après. Et après le Premier ministre, c'est le groupe de Marcelin Degbé, Théodore Loh, Francisco Marius, Timothée Adalin. C'est tous ces groupes-là qui ont travaillé dans l'ombre avec un peu les Pixopas, Ils avaient finalement. préparé leur coup. Ah, ils ont préparé, en tout cas la conférence nationale, ils l'ont préparé et ils étaient dans la dynamique de reprendre le pouvoir et donc de ne pas faire du rafistolage, de ne pas laisser Mathieu Kérékou reprendre la main. Et surtout, les gens disent, chat échaudé, craint l'eau froide. On a connu la conférence des cadres en 79, quand on lui a remis les documents, ils n'en ont rien fait. On ne va pas reprendre les mêmes choses. Robert Dessous était de ceux qui ont fait la conférence des participants à la conférence des cadres de 79. Mais il tentait d'expliquer qu'il s'agirait pas de remettre les documents et de laisser faire. Il n'avait pas été écouté, il n'était pas écouté. L'autre problème, c'est justement la question donc de la souveraineté. Parce qu'en même temps, les gens sont rentrés dans le vif du Du sujet. Donc, sujet, ouais. quelle est la nature de la réunion? Et de là à là, on s'est rendu compte que la conférence nationale n'avait pas été formellement convoquée. Il n'y avait pas eu un décret qui a convoqué la conférence. Le comité préparatoire a été mis en place, mais la conférence n'a pas été convoquée de manière formelle. Donc la mission de la conférence nationale n'a pas été précisée. Alors donc le débat est tel. Donc vous voyez, il y a des questions qu'on commençait par soulever. La souveraineté, le décret, ce qui en viendrait des travaux Des décisions. des décisions. Voilà. Voilà. Question de néophyte, pourquoi il a fallu installer un bureau d'âge?
Oui, disons que c'est un peu des habitudes dans les grandes assemblées. Et normalement, on n'en avait pas vraiment besoin pour un tel. C'est justement pour rétablir, c'est pour établir une confiance entre les participants et les organisateurs. Sinon, on n'en a pas besoin. Les bureaux d'âge, on les installe lorsqu'il faut changer des instances. On les met en place. Par exemple, dans une assemblée générale, lorsque vous avez fini de statuer, ou bien dans un atelier, on dit, bon, on va mettre en place un président, on prend le plus ancien, on prend le plus jeune, on prend la femme. Bon, donc, c'est des pratiques qui ont été institutionnalisées finalement, sinon c'est des pratiques. Donc, on a, surtout pour une telle assemblée comme la Conférence nationale, on n'avait pas besoin de bureau d'âge. Il s'agissait simplement pour le comité préparatoire de faire adopter le règlement intérieur et d'installer le président. Mais il me semble que le plan du bureau du comité préparatoire a été a été balayé par les vociférations, hein, et le mot n'est pas fort. Oui. Hein, des vociférations dans la salle. Il n'y avait pas de discipline. Oui. Les gens étaient venus se défouler. Ils en avaient marre. Ils avaient en découdre avec le régime. Et ils étaient venus. Même les anciens chefs d'État, on a vu ils sont très en verve. Non, les anciens chefs d'État, non, ils étaient quand même. Mathieu Kekou les a ménagés. Mais il y en avait qui avaient envie aussi de se libérer. Parce qu'ils sont différents. Ils sont autant, ils étaient ensemble, mais ils en voulaient les uns aux autres. Ils ont passé tout leur temps à en vouloir les uns aux autres. Et donc, une fois ensemble, n'oubliez pas qu'on les a mis de 72 à 81 ou à 84. Ils ont été mis au ouf, enfin, au frais, résidents surveillés, prison un peu, résidents surveillés, et après on a laissé certains s'exporter. Donc, ils ont été en prison qu'en 81-84. Si bien qu'ils n'ont pas été contents du régime, Mathieu Kekou ne les a pas rencontrés. Ils avaient des choses à dire, surtout un gars comme Kouandété qui se croyait, qui se prenait pour le cousin, le tonton, le papa, le tuteur, le parrain de Kekou. Bon, il n'a pas eu droit à des attentions particulières qu'il aurait souhaité de lui. Donc, il y a, en fait, entre les anciens chefs d'État, quelqu'un comme Zissou, un peu très, très, très fin, qui regarde d'un air bizarre les autres, un peu rustre. Non, il ne les considère pas trop comme des personnalités vivables, parce que effectivement, quand vous regardez un peu tout le processus, vous allez voir que la vraie dynamique de développement de notre pays a commencé par Zinsou. Et là encore, Zinsou, lui, c'est un démolisseur, c'est quelqu'un qui est venu pour mettre de l'ordre, parce que c'est un homme d'ordre, hein, on peut le dire un médecin, mais un homme d'ordre. Alors, ils regardent ces gens comme des anarchistes, des gens qui ne sont pas incapables, qui sont incapables de mettre de la discipline et qui sont incapables de mettre l'intérêt supérieur de la nation devant. Il en a eu pour ses comptes, évidemment, mais lui, il reste comme une personnalité particulière, le premier ami d'Alain Zissou. Il regarde les autres un peu. Et les autres, c'est un maga, très débonnaire, un peu papa, bonbon, tout ça, quoi. C'est-à-dire, gérer, l'essentiel, c'est gérer. Gérer autant, faire un consensus, c'est gérer. C'est un homme d'État aussi. Mais lui, il n'a pas su faire l'harmonie avec ça autour des coalitions, notamment la coalition Wallogédé, qui n'a pas su gérer. Et vous allez voir, Aouma Negbe, c'est peut-être le plus exigeant, intransigeant, délicat. C'est celui qui a le parti le plus national, l'UDD, mais qui n'a jamais été adoubé ici, ce n'est pas le conseil présidentiel. Parce qu'on n'aime pas, la rigueur. C'est aussi un homme de rigueur. Mais il est obligé de coaliser avec les autres pour vivre. Et donc, du coup, une fois ils viennent au pouvoir en mai 72, en octobre 72, il a été balayé déjà. Donc, lui-là, une grande amertume. Donc, comme chacun d'eux, chacun a une amertume. Et l'un avait l'autre, mais tous envers Mathieu Kekou. Et ils n'ont pas raté, ils n'ont pas manqué de le manifester ce jour-là. Voilà. Donc, le lundi 19 et le mardi 20, ces deux premiers jours, ont été. Vous voyez, cette année, ça tombe, c'est au jour pour jour. Lundi 19, mardi 20, c'était deux journées où les gens se sont défoulés. Ils se sont défoulés. Mathieu Kekou qui est revenu le troisième jour, on en parlera demain. Ouais. Mathieu Kekou n'a pas manqué de le souligner. Ils se sont défoulés jusqu'à la mise en place du président. Donc, aujourd'hui, restons entre le départ de Mathieu Kekou et la mise en place du président. Les premières, il fallait faire maintenant, une fois le président mis en place, il fallait faire les premières capitalisations, il fallait dégager les premières constances pour donner une boussole à la Conférence nationale. Ça n'a pas été facile. Ouais. Ça n'a pas été facile. Est-ce que ça peut, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure après l'élément témoin qu'on aura à revisionner, est-ce que ce cafouillis
En tout cas, c'est ce méli-mélo que vous décrivez très brièvement nous renvoie à ce qu'on vit aujourd'hui, jour pour jour, comme on le dit, c'est le hasard fait bien les choses. Non, aujourd'hui, il n'y a pas de cafouillage. Aujourd'hui, il n'y a pas de pagaille. Aujourd'hui, il n'y a pas de défoulement. Aujourd'hui, il y a un débat. Débat. C'est déjà une avancée. Avancé, Après, c'est vrai que c'est peut-être qu'il faut laisser les extraits c'est passé, partir avant qu'on aille dans le fond. Hein, parce que, oui, des circonstances, si on, 34 ans après le renouveau démocratique, on en soit encore à mélanger des opportunités, des débats. Vous voyez, il y a, je vais revenir là-dessus tout à l'heure, il y a 34 ans, je l'ai souvent dit d'ailleurs, on se demandait encore, et les conférenciers l'ont demandé, en parlant de la nature, hein, de la légitimité, et les gens disent même de la légalité. On y est justement, légitimité, légalité, Légalité, égalité, égalité. on y est. Mais les gens se demandent, mais est-ce que notre rencontre là, quelle est sa nature? Puis la Constitution n'existe plus. Les gens disent, non, la Constitution existe. Je dois vous dire, là aujourd'hui, ils n'ont pas tranché le débat. Et c'est ça qui est hilarant, que, avec tout ce quartier latin d'Afrique, que ça, du 7 décembre 89 au 24 février 2024, 24. on n'est pas dit clairement si la constitution du 26 août 1977 était en vigueur au moment où La Mathieu conférence, oui. Kérékou faisait son fait. Récupérait son pouvoir qu'il avait partagé en 72, il le récupérait à lui seul, tout seul, au soir de ce 7 décembre, un vrai push institutionnel ou constitutionnel. Alors là, est-ce que la constitution était encore en vigueur? Enfin, c'était une question qui n'avait Une pas été question. posée. Ça fait l'objet de très longs débats, de bruits de gorge, comme on le dit de manière triviale. Et puis, il y a eu un débat tenté à la télévision nationale pour clarifier, mais les hommes politiques n'ont pas pu. Parce qu'à un moment donné, quelqu'un dit non, la question, il faut la prendre du point de vue politique. L'autre dit, il faut la prendre du point de vue juridique. Que c'est une question de fond, c'est une question préjudicielle. Donc, du coup, voilà. On était là. Donc voilà, oui, si on peut faire un peu un parallèle avec aujourd'hui, oui, la question aujourd'hui, à la veille donc de cette rencontre parlementaire, de cette plénière, où on va débattre d'une proposition de loi anecdotique, hein, c'est vraiment pas possible. La proposition de loi, elle est d'autant plus anecdotique qu'elle ne répond à aucun débat national, à aucune exigence, à aucun impératif, à aucune urgence. Hein? On a pris prétexte sur une décision de la Cour constitutionnelle et Pour on nous a sorti une. On a besoin de réviser notre constitution. Ça, c'est immuable. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il y a des choses à repréciser, mais on n'a pas besoin vraiment d'ouvrir la constitution. Rien que sur un article transitoire qui a commencé à être exécuté et qu'on a envie de torpiller, si ce n'est pas le mot. Donc voilà. Oui, le débat d'aujourd'hui, il rappelle que 34 ans après, du point de vue rhétorique, politique, on n'est pas allé plus loin. Chacun utilise sa petite ruse pour penser qu'il est plus intelligent que l'autre dans l'analyse. Non, on ne fait pas, on ne met pas les cartes sur la table. Vous voyez, on a beau attaquer Macky Sall du point de vue de démocratie, de procédure. Il a mis la sacature, il a dit clairement ce qu'il veut, ne pas passer par. Alors donc, je pense que les putschistes qui sont autour de nous aujourd'hui, le Togolais par ailleurs, il y a des pays où les gens ils mettent ça sur la table. On peut les attaquer, on peut ne pas être d'accord. Il faut mettre ça sur la table, il faut mettre ça. Il faut dire, nous, voilà ce que nous souhaitons. Terminé. Faut pas l'habiller de droit ou de politique. Voilà ce que nous habiller. Nous voulons. Voulons. Voilà. Je pense que ça nous manque. Il faut, on a l'impression qu'on fait se faire, comme dit Kérékou encore, j'aime le citer, on veut être. On croit qu'on est intelligent, mais on est intelligent diaboliquement. En fait, on pense que c'est l'autre qui est bête et que nous, on est plus intelligent. Voilà. Je ne pense pas que. Il faut mettre. En démocratie, en partenariat politique, on met tout sur la table et on discute. Le peuple, il faut le laisser, lui.
il n'a pas de visage. Il donnera le visage à ce qu'on aurait décidé lorsqu'on va le lui soumettre. Mais pour le moment, que chacun, les gens cessent de mettre le peuple devant, que le peuple a derrière ses représentants, que les représentants prennent des risques en disant nous, en tant que représentants du peuple, voilà ce que nous souhaitons. Voilà ce que on a consulté le peuple. Aucun individu, aucun groupe ne consulte le peuple. Ils écoutent les électeurs, ils écoutent la population, mais ne consulte pas le peuple. Voilà, nous allons suivre cette séquence témoin. Nous allons revenir ensuite pour la décrypter. Mais je dois auparavant nous excuser pour la qualité des images. Ce sont des images d'archives. Et comme nous avons une piètre tradition dans la conservation de ces archives d'époque. Donc nous nous en excusons par avance pour la qualité des images que nous vous proposons. Oui, mais ça montre que je disais tantôt, il faut bien serrer les archives, sinon bientôt on n'aura plus, même le son est écorché, donc il faut faire beaucoup d'efforts. Il ne s'agit pas que de réussir les premiers jours, je pense que nous avons dit les deux premiers jours. On ne peut pas le porter le premier jour, c'est les deux premiers jours, parce que le premier jour, il y a eu le défoulement, mais ça a transcendé, on est allé à la mise en place du bureau d'âge, on est allé, il y a un grand débat, le bureau d'âge ne maîtrisait pas les débats, ne maîtrisait pas capital. Bon, on est finalement les gens, ceux qui ont travaillé dans l'ombre, ont su rapidement faire passer le message pour qu'on passe à la déviation du président, qui lui a été désigné par consensus, parce que les intelligentsia ont beaucoup travaillé. Voilà, on se retrouve après cette séquence témoin. Merci. Au suivant. Madame Doumbo, la pensée est lancée, ma parole devient inutile. Merci. On est bien conscient qu'il y a un problème de procédure. Mais en raison
de l'importance des règlements intérieurs qui risquent de déterminer la suite des débats, nous voudrions que ce soit beaucoup plus confié aux présidents qu'au bureau provisoire. Merci. Donc, mais sur ce point de consensus me semblait avoir déjà été acquis. Maintenant, est-ce que la conférence est d'accord avec moi que ce point était réglé? Oui. Merci bien. La parole est au suivant. Monsieur le Président, mon point est le ralliement à la proposition de M. Borna. Seulement, j'arrive. Pour faciliter les choses, s'il vous est possible, et que vous avez la liste de tous les délégués bien mandatés, vous puissiez les distribuer rapidement à tous ceux qui sont ici présents. Ainsi, nous éviterons et nous gagnerons du temps perdu, et on va vous faciliter également la tâche. Et cela vous faciliterait beaucoup. Je vous en prie, Monsieur le Président. Je vous remercie. Et votre proposition, nous y avons pensé. Mais avec votre permission à tous, je voudrais confesser que les postulants à la participation de cette conférence et parfois certains des participants n'ont nullement facilité la tâche au comité national de la Croix. Il y a beaucoup qui n'ont respecté aucun délai. Jusqu'à hier soir, 20h, et jusqu'à ce matin encore, jusqu'à 9h, et puis alors que vous étiez déjà en salle, nous recevions encore des notifications de nom de délégué. Dans ces conditions, nous ne pouvions pas établir la liste des délégués. Et cette liste est en cours. Elle n'est établie définitivement, en tout cas au niveau du comité national préparatoire, qu'après la délivrance du bac. Et je dois vous dire que au moment de la délivrance des bacs, il y a eu des délégués qui sont dans la salle, qui ont dû faire le pied de grue toute une journée avant d'obtenir leur bac. Parce que leur structure avait régulièrement envoyé leur nom. Et puis, je ne sais pas pourquoi et comment, sous une autre signature, on envoie d'autres noms. Quand quelqu'un se présente, pour prendre un badge, il montre sa pièce d'identité. Il donne à quelle catégorie il appartient, telle organisation, telle structure, nous nous dirigeons. Lorsque la pièce d'identité qu'on nous présente ne comporte pas avec le nom que nous avons reçu, ou qu'il y en a plusieurs, nous bloquons la délivrance du badge. Demandez, il y a des délégués de la salle qui sont restés tous une journée entière. Parce qu'il y a des vérifications que nous avons même pu faire jusqu'à l'étranger avant de délivrer les bagues. Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure, à l'instant où je vous parle, de vous donner aucune liste. C'est en préparation. Et même lorsqu'on a mis un ordinateur à la disposition des listes, eh bien l'ordinateur, c'est comme le berger espagnol. L'ordinateur nous prend tout ce qu'on lui donne. Et si ce qu'on doit lui donner n'est pas fait, on ne peut pas les donner. Je vous prie donc de tenir compte de ce travail de pas de charge que le Comité national de la Croix-Rouge a mis en place. Et les difficultés qui se sont présentées à cet égard, je vous remercie. La suite, s'il vous plaît. Raoul Vincent. Qui au bureau provisoire se réduisent exclusivement aux deux points suivants. Premièrement, adoption du règlement intérieur. Deuxièmement, élection du président. Est-ce qu'il y a des observations sur cette conclusion? Bon, s'il n'y en a pas, nous pouvons considérer que le consensus est établi sur ce point. Par conséquent, nous passons à la mise en place, à l'élection et à la mise en place du bureau provisoire. En cours de discussion, oui, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donnez votre nom et votre structure, s'il vous plaît. Professeur Alexis Thomas. Ah, je ne vois pas de cette distance. Vous me voyez maintenant. Non, il me faut terminer. Représentant la collectivité de l'État. Oui, c'est légal. Collectivité, avec communauté des Béninois du Sénégal.
Monsieur Honorable Agassi. Votre concept ne peut pas être. Je dis tout simplement que dans le cadre de Dieu, la question qui a été posée a été celle-ci. Qui élit qui? À cela, il y a eu deux propositions. Les gens ont dit vérification de mandat. D'autres ont dit, surtout quelqu'un d'autre, le pasteur Maria a dit, on va passer la liste des présents. À défaut de mettre l'un et l'autre, peut-être serait-il indiqué de demander aux gens de se présenter, sinon, qui pourra élire qui? La question revient à la fin. Au moins se présenter, vous ne pouvez pas dire que ceux qui peuvent se présenter ne sont pas là d'afficher le président sur votre président. Bien, je vous remercie. Alors, qu'en pense la conférence? Que nous fassions une rapide présentation, une auto-présentation, chacun se lève. Bon, aussi, on le chidiac. Merci, Monsieur le Président. Je crois que nous sommes en train de terminer. Sur le principe de savoir qui est délégué ici et comment on est arrivé ici. Je crois qu'il y a des portes à l'avantage qui ont été contrôlées. Ils ont été assez clairs, mais il y a juste des portes, nous portons des bâches. Et je pense que tout bénévole que nous sommes, c'est parce que lorsque nous sommes ici présents, ils peuvent juger une sorte de délai. Alors, dans ce cas, on cesse de savoir qui est qui et qui juge les délégués. Et les qui. Ceux qui sont là, nous connaissons, nous sommes là et ça suffit. C'est ma proposition, j'avais toutes mes excuses à tous les délégués. Donc, merci bien, nous avons enregistré deux positions contradictoires. Non, oui, je vais mettre ça en discussion. Oui, c'est sur le même point. Je veux résumer, il y a la position agressive et la position de l'Ochidiac. Alors, l'un, vous êtes bon. Moi, je suis à l'autre. Bon, monsieur, c'est monsieur, annoncez votre nom. Maître Kéké. Je ne vois pas M. Tédisson. Maître Kéké a la parole. Il me semble que la vérification des mandats a deux objectifs. Le premier objectif, c'est de déterminer la majorité qui va voter, qui va élire le bureau provisoire. Le deuxième objectif, c'est de régler les cas de contentieux. Si nous nous reportons au premier objectif, je pense que ceux qui sont ici constituent largement la majorité pouvant voter, pouvant élire le bureau provisoire. Si nous nous reportons au deuxième objectif, je pense que les cas de contentieux, si contentieux il y a, ne constituent pas la majorité pouvant, ne constituent pas une majorité pouvant bloquer cette élection. Donc, on peut aller de l'avant. Merci, Maître Joseph Péguet. Est-ce que l'intervention, est-ce que l'intervention de Maître Kéker rassure mon intervention ne concernait pas l'élection du bureau provisoire. Mais je vois mal comment on peut élire le président qui doit diriger l'essentiel du travail sans ce bénévole auquel j'ai été invité. Merci. Donc, nous en prenons acte. Le monsieur le pasteur a réagi, vous avez parlé. Bon, prenez. Lorsque nous sommes ici et qu'on est arrivé à un processus, il faut la transparence et la paix. Deuxièmement, il nous faut l'honnêteté pour le patrimoine. Par conséquent, compte tenu de ces deux éléments essentiels qui va droit à la liberté de chacun et à sa conscience, nous pouvons procéder au bout. Merci bien. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? En fait, c'est une motion de procédure que M. le pasteur a réalisé de faire. Et en d'autres termes, et en substance, il dit qu'il faut arrêter le débat sur cette question et passer au vote.
sur le bureau provisoire. Est-ce que tout le monde l'entend de la sorte? Quels sont les... Intervenir parce que j'avais compris que vous proposiez à l'Assemblée que l'on passe au vote sur la question de savoir si oui ou non le résumé que vous aviez fait et qui a été désapprouvé par le pasteur Harry Henry, si l'Assemblée allait se prononcer par un vote pour souhaiter que l'Assemblée ne vote pas sur cette question, mais que nous amenions M. le pasteur Harry Henry à comprendre que les explications qui ont été données sont suffisantes pour montrer que le souci de transparence a été au cœur des préoccupations du comité préparatoire et que les délégués ici présents sont tous assez responsables et honnêtes pour avoir respecté leur responsabilité. Merci. Merci. Merci également ceux qui l'ont suivi. Je suis encore Dieu. Thank you.
nous avons à l'ordre du jour, à l'ordre du jour, comme mission, premièrement, à élire, à adopter le règlement intérieur, deuxièmement, à procéder à l'élection du présidium. Voilà les deux points de la mission qui nous est confiée. Vous êtes d'accord avec moi? Et j'ajoute que si on regarde la montre, à 2h20, je vais vous proposer une suspension de séance pour un rafraîchissement sandwich et nous revenons à 16h. Au président, à bonjour. Et avant, le président Magas prend la parole, je lui la passe. Les gens ne seront pas là à 16 heures. Il faut être réaliste. Il faut mettre cela à 17 heures précises. Parce que si ils sont 17 heures, l'heure africaine, on ne se réunirait qu'à 18 heures. Il vaut mieux 16 heures. Ah, d'accord, 16 heures. Dans cette condition, quelle est sa nature, quels sont ses pouvoirs, les limites de ses pouvoirs, de sa compétence. Et si vous le permettez, je voudrais d'entrer de jeu dire que nulle part dans ce règlement, c'est-à-dire il ne fait référence à un acte quelconque qui aurait convoqué, qui aurait créé cette conférence. On nous donne certes le mandat, mais je crois que d'entrée de jeu, à l'article 1er, on devrait dire le texte légal, constitutionnel, qui nous crée, cet organe et qui nous donne compétence. Donc je voudrais que nous comportions dans l'article 1er le texte des autorités en place, le texte qui a créé cette compétence. Après, je reviendrai sur les autres points, article par article. Merci. Non, en là, et on a dit que c'est le président qui sera installé, qui s'en chargera. Donc, ce n'est pas de notre ressort. Attendez que le président soit installé. Et le problème sera attaqué et résolu. La deuxième question est assez délicate. On nous demande pourquoi les forces armées sont là et qui sont armées. Et oui, si je veux répondre à cette question,
je dirais que les militaires sont là pour nous protéger. C'est en ce sens-là que je crois, pas pour autre chose, car les militaires sont avant tout des Béninois. Nous sommes là. Dans toute organisation, dans tout État, il y a un minimum de services d'ordre pour des réunions de ce genre. D'accord. Mais dit que les militaires sont là pour nous protéger. Pour nous protéger de qui et contre qui? Contre le peuple, contre qui? Si c'est un service d'ordre, uniquement pour maintenir la circulation. D'accord, elle doit être un ordre léger. Parce qu'on n'aimerait pas parler sous la menace, sous la protection des baïonnettes. Le renouveau démocratique implique que nous soyons libres de toute notre expression dans cette salle. Sortir d'ici sans être inquiétés. C'est pourquoi j'appuie le point de vue de l'autre, c'est très très important. Dis simplement qu'on nous protège, on nous protège contre qui? Je ne veux pas contre qui on nous protège. Le service d'ordre doit exister, doit être suffisamment léger pour que personne ne craigne qu'en sortant d'ici, on peut le menacer. Mais moi j'ai confiance puisque le président, en parlant ce matin, nous a rassuré, ses paroles étaient très claires sur la nécessité profondément ressentie par les uns et les autres d'un renouveau, et ce renouveau doit commencer dans ce sens et dans cette salle, va laisser la parole aux uns aux autres le plus moment possible, que personne ne sorte d'ici avec la tentation ou le risque qu'on l'arrête. Merci, monsieur le président. Je vais commencer à pour répondre à certains. Alors, je pense que pour une question de discipline, il serait mieux, n'est-ce pas, de répondre d'abord à toutes les questions, quitte à faire de remplir une autre liste. Autrement, nous en sortirons pas. Et bien sûr, quand il y a une notion d'ordre, la situation et la question posée par la motion d'ordre de M. Grelet est assez délicat. Et je dis bien que M. Grelet a raison, puisque nous avons à l'intérieur de la conférence des officiers des forces armées qui sont des Béninois et qui peuvent nous protéger également. Mais nous avons nos voitures dehors, nous moyens de locomotion, nous pouvons demander à ces gens, ces militaires qui sont à l'extérieur d'aller surveiller un peu plus loin. Les qui sont au fond représentent une sensibilité et je crois avoir compris que ce sont les délégués de l'armée. Si ce sont les délégués de l'armée, ils ont droit à tout le monde à assister à nos séances, à nos travaux. Et pas armé. De cette salle, nous en sortions des décisions qui soient effectivement et réellement démocratiques. La procédure est d'accord pour poursuivre le vote. Maître Félico, la gauche, s'il vous plaît. Maître Félico, 16 voix. Maintenant, nous passons aux abstentions. Non, d'abord ceux qui sont contre chacun. C'est comme ça qu'on a... Abstention. Où est le jeune homme? Hé, hey, comptez. Où est le jeune homme qui compte? Il est en train de compter. Il est en train de compter. Abstention, s'il vous plaît. Il y a trois abstentions à gauche. Et trois aussi à droite.
Merci. Et le président du bureau fait le quatrième. Vous, cinquième. Donc, il y a 8 abstentions. Merci. Bon, pour aller vite, on me demande de voir si dans toute la salle, on ne peut pas voir d'abord ceux qui sont contre. Pour aller vite. Non, parce que si nous prenons ceux qui sont contre, nous irons plus vite. Ceux qui sont contre lèvent la main. Parce qu'il y a des gens qui sont sortis de la salle. Je m'en ai fatigué de compter. Comptez-vous en vous levant rapidement. Comptez-vous à voix haute pour que ça aille plus vite. Oui, ça fait 5 plus 3, ça fait 8 abstentions. Après, Les 8 abstentions, pas de voix contre et 403 voix pour. Voici les résultats pour M. Albert Tegouet-Gray. Pour 403 voix contre 0. Abstention, 8 voix. Monsieur Albert Tegouet, général du président. Quand j'ai commencé à 10h. Monseigneur de Souza. Premier vice-président dessous Léopold. Deuxième vice-président Bernard Bertin. Deuxième vice-président Bernard Bertin. Rapporteur général Tegouet-Gray Albert. Rapporteur général Tegouet-Gray Albert. Premier rapporteur général adjoint Détienne Antoine. Et le rapporteur général adjoint, le premier Déchenu Antoine. Deuxième rapporteur général adjoint Olo Théodore. Deuxième rapporteur général adjoint Olo Théodore. Olo Théodore. Vous venez ici. Non, laissez-les là-bas. Il est venu ici. Secrétaire général Adalin Temonté. Premier secrétaire général adjoint Adamu Ndiaye. Premier secrétaire général adjoint Adamu Ndiaye. Deuxième secrétaire général adjoint Machifa Rachidi. Deuxième secrétaire général adjoint Machifa Rachidi. Premier responsable à l'organisation Ibrahim Zakari. Premier responsable à l'organisation Ibrahim Zakari. Deuxième responsable à l'organisation Mogbe René. Deuxième responsable à l'organisation Mogbe René. Agbede disaite honu minantia. Leneto vilani. C'était le bureau pour l'hiver. Je voudrais dire toute notre reconnaissance à tous les délégués ici présents qui nous ont fait confiance et qui nous ont investis pour présider cette conférence nationale des forces vives de la nation.
renouveau de notre pays et pour sa prospérité. Merci de votre confiance, tout en respectant la liberté de parole et en tournant résolument dos à toute velléité de dictature. Je voudrais souhaiter que nous travaillions dans la discipline et dans l'exactitude. Hier, nos travaux ont piétiné. Je crois que c'est tout à fait normal. Comme j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure à la radio, il y avait un besoin psychologique pour chacun d'entre nous. Après des années d'attente, après des années de souhait, il était, dis-je, psychologiquement normal que nous soyons pressés d'aller à l'essentiel en escamotant ce qui n'est peut-être pas d'une nécessité absolue, mais quand même d'une très grande utilité pour la bonne marche de nos travaux. Je laisse donc le piétinement de la conférence hier au compte d'un défoulement nécessaire. Je crois que chacun d'entre nous est maintenant défoulé et que nous allons pouvoir continuer nos travaux dans de meilleures conditions avec la volonté ferme de pouvoir avoir comme objectif premier le bien de la nation. Je vous demande de laisser de côté autant que possible les intérêts personnels, les intérêts de parti, les intérêts différents du bien essentiel de notre nation aujourd'hui dans la crise où elle se trouve. Comptant donc sur votre compréhension, sur votre collaboration et sur votre discipline. Aidez maintenant par l'ambiance détendue que nous avons connue depuis ce matin, nous allons pouvoir continuer nos travaux. C'est le fleuve de la dernière chance. Aussi, la foi revêt-il à mes yeux une importance tactique. La nouvelle formulation qui lui est donnée me satisfait pleinement, car il est question de savoir quel sort sera réservé au résultat de nos travaux. Il me reste tout simplement à signaler, comme mon collègue vient de le dire, que la majorité des deux tiers me semble trop élevée. Merci. La conférence me paraît aussi être d'une importance capitale et les décisions que nous devons prendre ici doivent avoir une grande importance. Voilà pourquoi j'adhère à tout ce qui est dit à l'article 3, mais il me semble que notre conférence ne pourrait pas se constituer en une assemblée constituante, si vous permettez le terme, mais je pense que pour donner toute son importance à notre conférence, il ne faudrait pas qu'on travaille dans la précipitation. Voilà pourquoi je propose que l'on mette à l'alinéa 2 de l'article 3, mettre sur pied une commission chargée de faire élire une constituante pour élaborer la nouvelle constitution. Merci. Faire organiser le référendum pour l'approbation de la constitution. Je voudrais dire un petit mot sur l'article 23, à savoir. Vous n'avez plus la parole.
Président, parce que les dimanches vont déjà en partie ça, je vais juste ajouter que au point 2 de l'article 3, pour se faire cette phrase, il propose deuxièmement définir les grandes lignes en vue de l'élaboration d'une nouvelle constitution qui sera soumise au référendum. Quoique comme ça, c'est beaucoup plus simple. De mise en œuvre d'une rationalité économique dans une gestion moderne. C'est ce qui a manqué. La coordination de l'article 23 propose seulement deux commissions pour l'élaboration de la constitution et la suite. Il me paraît important que l'on crée une troisième commission pour s'occuper rien que de comment faire pour la revue de la vie nationale. Merci, M. le Président. Monsieur la ministre. La précipitation, du moins la restriction qu'on nous impose tout le temps. Donc, je fais effort pour ne pas faire une longue introduction afin d'expliquer davantage ma position. Et j'interviens sur l'article 3, notamment à son alinéa 2, et c'est l'aspect juridique qui m'intéresse. Je sais que dans la salle, il y a des élites et des juristes chevronnés qui m'en apprendraient. Mais je tiens à souligner qu'une conférence telle que la nôtre n'est pas une constituante, car la constituante. Agapit Napoléon Mafourekan, on se retrouve comme prévu pour commenter ce que nous venons de voir. On est quelque peu partagé, une conférence qui démarre sur les chapeaux de roue, mais une impression quand même de pagaille, de cafouillage, en tout cas un joyeux bazar. Non, le joyeux bazar a eu lieu la première journée, oui. Et Monseigneur l'a démontré, l'a justifié, l'a même dit que c'était nécessaire, effectivement. Je me rappelle toujours en ce moment-là, des gens font des allégories en disant, mais comment, quand vous mettez une marmite au feu, vous mettez de l'eau, vous fermez, et vous mettez une marmite au feu, vous mettez de l'eau, vous ouvrez. Les deux marmites vont bouillir. Oui. Enfin, l'eau à l'intérieur va bouillir. Mais la marmite fermée, ça. Disons, ça va plus vite, oui. Parce que la chaleur concentrée, la vapeur concentrée, si vous n'allez pas faire, la pression peut soulever le couvercle à un moment donné, alors que l'autre, c'est déjà ouvert, il y a déjà l'oxygène qui entre, donc du coup, l'eau va bouillir bien avec un temps plus long. Les physiciens vont mieux l'expliquer. Mais ça veut dire quoi? Le régime du PAPB a été conçu comme un régime qui ne laissait pas la parole, disons, au défoulement, à la liberté d'expression. Vous avez vu, bon, moi j'ai parlé de liberté, beaucoup ont parlé de liberté, notre liberté, sans dictature, oui. Donc c'était un régime de
de centralisation du pouvoir, donc avec une orientation donnée. Il y avait même un ministère de l'Intérieur, ministère de l'Intérieur et de l'Orientation nationale. Ouais, Mion. Donc c'était ça. Il y a eu Mion d'abord, avant de Mison. Mion, c'est le ministère de l'Intérieur et de l'Orientation nationale. Et après, il y a eu le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Orientation nationale. Donc, et c'était Azenhor, Martin Dowa Azenhor. Qui a incarné les deux? Ah oui, lui, je pense qu'il était. C'était lui. Parce que c'était. Je pense que Pierre Kofi, c'était ministre de la Communication, c'était au moment du gouvernement militaire révolutionnaire. Hein. Martin Dowa Azenhor, c'était après tout ça. Et l'Orientation nationale voudrait dire qu'on vous donne la voie à suivre. Vous voyez. Donc c'était un peu ça. Or, les régimes de type libéral ne sont pas de cela. Vous allez en Chine aujourd'hui, vous allez en Corée du Nord, vous allez dans certaines, à Cuba, vous allez dans certaines démocraties et populaires. Il y a toujours une orientation nationale. Donc il y a un langage à servir pour atteindre les populations. Hein, après, vous pouvez penser ce que vous pensez, mais vous ne pouvez pas toujours l'exprimer. Parce qu'on estime qu'en l'exprimant, vous perturbez l'ordre public, l'orientation nationale. Donc, vous pouvez créer des troubles à l'ordre public, des doutes dans les pensées. Le pouvoir est avant-gardiste. Donc, on estime que derrière, il y a une élite qui réfléchit et n'a pas envie qu'on perturbe son. Alors, c'est une affaire d'école. Comme moi, je suis très vite dans ce. Je n'ai pas une position dogmatique. Toujours, je me dis que personne n'est méchant, personne n'est mauvais et aucune pensée dans l'absolu, si elle n'a pas vocation à faire l'apologie des théories négativistes ambiantes. Je pense que dans les uns ou dans les autres, lorsque vous installez une discipline d'ordre, une discipline et à pas de charge, ça marche. Oui. Mais les gens sont écrasés. Mais vous avez des résultats. Lorsque vous laissez tout le monde bavarder, il n'y a pas de travail. Donc, le travail en souffre. C'est exactement ça entre les deux marmites. Dans l'autre, l'eau bouille vite. Parce que simplement, la vapeur est étouffée. Enfin, donc l'oxygène n'y entre pas. Et donc, la vaporisation, voilà. Donc, la vaporisation va plus vite. Donc, l'eau devient vapeur et pas à 100 degrés, ça commence pas à bouillir. De l'autre côté, ça prend son temps. Ça prend son temps parce que il y a beaucoup d'autres énergies qui entrent et qui ne sont pas. Donc voilà un peu la position des deux. C'était une allégorie que quelqu'un avait utilisée dans les années 90, c'est que je reprends ici. C'était ça. Il y avait un défoulement le premier jour, tout simplement parce que les gens avaient besoin de parler, de se libérer, de se vider. Et ils l'ont fait. Ils l'ont un peu trop fait. Ils l'ont beaucoup trop fait d'ailleurs, parce que ça a transparu dans notre constitution. Hélas. On aura l'occasion de revenir. Alors, le présidium est installé. On se rend compte qu'on est allé très vite aux questions de légitimité, en tout cas de la souveraineté. Qu'est-ce qu'on est venu faire exactement? À quoi ressembleraient nos décisions? Quel poids porteraient nos décisions? On est allé très vite sur cette question. Vous n'êtes pas revenu sur comment le présidium est installé. Le présidium. Parce que nous avions parlé tout à l'heure du bureau d'âge. En réalité, c'était le bureau provisoire. Il faut bien mettre les choses à l'heure. Parce que le comité préparatoire n'avait pas, mon humble, enfin, si je ne me trompe pas, il n'avait pas prévu un bureau d'âge, ni un bureau préparatoire. Le comité préparatoire devrait faire adopter l'achat et le règlement intérieur et installer le bureau, le président. Mais les gens, vous avez vu comment Maître Robert Dussou était charité parfois. Donc finalement, on est allé au bureau, un bureau provisoire, où il y avait un homme, une femme et un jeune. Voilà, c'était un peu ça. Donc vous avez vu le bioco Salomon, patriarche, décédé il y a un peu plus de 10 ans. Ancien président de l'Assemblée nationale, patriarche de Porte-Nouveau, sage, à la conférence nationale dans la catégorie des sages. Donc, avec Elena Holk, qui est maître, avocat, donc, elle a été tout récemment présidente de la commission des lois à députés, donc, FCBE. Elle était avocat à l'époque, elle est toujours. Et puis, vous avez le jeune Akapo. Hervé Akapo. Et je pense qu'il est. Oui, je l'ai vu passer ce temps-ci. Donc, voilà un peu le présidium, le bureau provisoire. Par contre, le présidium, il faut voir un peu comment il a été mis en place. Comment on est allé à Monseigneur de Souza. Comment tout cet équilibre
je vous parlais d'une intelligence, on ne va pas perdre de temps là-dessus ce soir, mais cette intelligence a travaillé, a constitué une liste qui a circulé dans la salle et qui a donné ce que vous avez vu. Avec Monseigneur de Souza, Marius Francisco, Théodore Olo. Non, disons Monseigneur de Souza entouré de deux vice-présidents, Léopold Dossou, syndicaliste, et on a vu tout à l'heure Léopold Dossou, le syndicaliste, et Bertin Borna, Babiliba, qui était. Donc, le coup avait parlé, qu'il a chaleureusement salué dans la salle. Maître Bertin Borna, économiste financier ancien donc de l'organisation internationale, qui est rentré aussi au pays, premier ministre des Finances du pays. Et en 60, donc c'est le ministre des Finances de Maga en 1960. Voilà, donc très jeune à l'époque, avec Thivo Edré, qui était le secrétaire d'État à l'information et à la communication en 1960. Donc, Maître Bertin Borna était le deuxième vice-président donc, du président. Du président. Voilà. Et vous avez les autres, le rapporteur général, professeur Théodore, le professeur Albert Thivo Edré. Vous avez le professeur de Tchénou. Je pense qu'il était le premier rapporteur adjoint. Donc, et ainsi de suite. Valérie Mongué, ambassadeur, je pense qu'il était quelque chose dans le bureau. C'était le dernier d'ailleurs cité. Il y avait une seule dame, et maître. Alors, ça m'échappe. Oui, elle est devenue ministre après sous. Grâce d'Aminda Adamon. Elle a été ministre de la Justice. Elle est vite décédée. Voilà. Donc, maître Grâce d'Aminda Adamon. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire. Oui. Aujourd'hui, on peut dire quand même qu'on reconnaît encore autour de nous le projet Théodore Olo, qui est là. Et Ibrahima Zakaria est décédé il n'y a pas longtemps, par accident. FCBE, ancien syndicaliste. Donc, on salue le professeur Théodore Olo qui a été de ce bureau et qui est là encore aujourd'hui. Et qui est encore de ce bureau, qui est, quand vous regardez un peu, il y a le président Adalain Timothée. Qui est encore là. Da. Et qui est encore, on regarde. Voilà. Marius Francisco est décédé il y a longtemps. Non, tout globalement, de chez nous, Francisco Mamongbe, Thivo Edré, Adamo Ndiaye, maman, tout ce monde est parti. Maître Rachidi Machifa, qui a été membre de la commission constitutionnelle par ailleurs après. Et voilà, tout ce monde est décédé finalement. Donc, on peut dire que pour le moment, dans le Présidium, aujourd'hui 20 février 2024, 34 ans après, on reconnaît le projet Théodore Olo et le président Adalain Timothée. Donc, c'est les deux. On espère qu'on ne s'est pas trompé. Oui, espérons. Voilà, et le Présidium va ouvrir très vite. Une fois le Présidium a mis en place, vous allez voir que ça a changé avec la méthode Bioku Salomon, c'est-à-dire de certains âges. Il s'est défendu de vieux. Mais bon, il avait quand même un certain âge, il a une certaine personnalité. Il n'a pas l'aura et surtout le respect. À l'époque, il était vénéré presque de Salomon Bioku. Mais Monseigneur de Souza était encore actif et achevé à coalition de Cotonou. Donc, il incarnait encore un certain respect. Surtout que il n'avait pas été prévu pour être là. Une fois là, les gens se sont rapprochés vite de lui pour le sonder et faire de lui le président. Donc, il y a une équipe qui a travaillé. En tant que prélat, c'est quand même des gens qui sont habitués à diriger des foules. Donc, du coup, pour lui, ce n'est pas que 500 personnes qui vont l'empêcher de dormir. Et vous l'avez vu très tôt, il a imprimé sa marque. Ouais. Voilà. Alors, la question, le dernier point de cet élément, c'est cette question de souveraineté. On est très vite, les gens, les congressistes, on va dire, en tout cas, les participants se sont très vite posé la question. Oui, vous savez, comme je le disais au début, la question de Samatra était là. Oui. C'était la question. Mais c'est vrai que dans les débats que nous avons vus, on n'a pas vu le débat sur la loi fondamentale. C'était important ce débat. On n'a pas vu ce débat sur le statut de la Conférence nationale. Et donc, mais in fine, c'était le débat de la suite. Qu'est-ce qui sera donné aux conclusions qui seront données? Oui, qu'est-ce qui sera donné aux conclusions de cette conférence? C'était ça, et ça c'est de tous les sens, de tous les côtés. Et ça va faire l'objet finalement d'une entente. Mathieu Kérékou et Monseigneur de Souza a dit, bon, moi je n'ai pas de réponse.
Professeur et maître Robert Dossou, en avez-vous? Bon, quand lui, il est intervenu, je pense qu'il est intervenu deux fois, les gens ne comprenaient pas. Bon, c'est là que je pense que c'est là qu'il s'est fâché en disant, bon, écoutez, laissons tous les développements de droit, allons sur le terrain politique. De quoi, bon, nous voulons parler de quoi, concrètement? Vous avez dit de venir, vous venez, vous n'avez pas venu imposer ce que vous voulez. Mm. Vous venez, vous dites les choses, et puis après, on dit, non, 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 monsieur, c'est pas ça. On a déjà connu la conférence des classes, ça ne reviendra plus. On ne suffira plus. On n'est plus là pour faire pour servir de faire valoir. On est là maintenant pour rester. D'abord, c'est un régime illégal. C'est un régime issu de poutre, de coup d'État. C'est un régime, et d'ailleurs, le régime même a torpillé sa constitution. Donc, ça allait de tous les côtés. Alors, quel est le coup qui suivait les débats? Puis, c'était retransmis à la radio. Il était question maintenant que. Le président se déporte. C'était retransmis à la radio. Oui, à la radio. Oui, ça ne pouvait pas, la télévision. Ça aurait été très lourd. Oui. Et le doyen Sébastien Angoutta est passé sur nos antennes il y a 3-4 ans pour dire comment ça a été difficile de mettre en place la retransmission en direct par la radio. Et le doyen Angoutta, que je salue par ici. Voilà. On se souvient aussi de cette anecdote de Ousmane Batoko qui a regretté qu'on ne l'ait pas remercié pour cet exploit à la conférence. Oui, c'est vrai qu'avant il était le ministre de la communication et effectivement sans Batoko ça n'aurait pas. Je pense que Ousmane Batoko a beaucoup travaillé là-dessus ensemble avec l'association des journalistes du Bénin dont le président était Sébastien Angoutta. Donc grâce à eux, grâce à leur dynamisme et surtout à leur... mais à leur engagement, leur détermination. Ça a été parce que c'était pas si évident. Et c'est pas évident que le régime laisse. Donc, c'est là que le travail de Batoko a été important. Les cassettes du PPB qui étaient surpris par la décision du 7 décembre, vous ne voyez pas ça d'un bon oeil. C'était pas possible qu'on déballe tout ça devant tout. Les gens ne savent pas où ça allait. Où ça allait, et ça, c'est ça, ça, finalement, les lauriers, c'est Mathieu Kérékou qui les a pris, qui les a eus. Mais il a fallu des artisans. Et Batoko était, et Agota, c'était des artisans d'un tel. Après, entre eux, ça c'est pas toujours bien. Mais c'est des grands artisans de cette affaire au niveau donc de la mise en place de la retransmission en direct à la radio. Parce que rien ne pouvait plus être camouflé. Tout était dit. C'est dit, tout était dit. Et moi, si aujourd'hui je viens parler de tout ça, j'étais pas à la conférence nationale. Mais j'étais abonné, j'enregistrais, je réécoutais, parce que c'était pour nous, on était, c'était ça l'événement, quoi. Et la suite dépendait de tout ça. Nous étions à la maison depuis janvier 89, on était en février 90, donc plus d'un an à la maison. Mais les parents n'avaient plus de moyens, on mangeait difficilement. Donc, c'était sont allés, certains dont les parents n'avaient plus de moyens, ils sont allés à l'extérieur pour continuer leur étude au Niger, au Togo, en Côte d'Ivoire, pour continuer. Mondial était au pays. Il y avait une sorte d'incertitude, une sorte de situation. Tout le monde voulait que ça fonctionne. Mais on ne sait pas comment ça fonctionnerait. Ça marcherait. On ne sait pas quelle issue. Mathieu Kérékou est venu le premier jour. Il a parlé d'une charte d'Union nationale. La charte d'Union nationale qui doit servir de base à la rédaction de la nouvelle constitution. Mais personne n'a. Quand il est parti, discours, qui est un discours feuille de route, n'a été retenu par personne. A été mis de côté. Je me demande même si les gens. Les gens l'ont relu, ont réécouté, que je ne sais pas après, une fois le renouveau démocratique acquis. En fait, personne n'est venu là. Ils ne sont pas venus pour écouter le PPB. Et c'est mandant. Enfin, c'est mandataire. Le PPB, c'est mandataire. Ils sont venus pour faire du dégagisme. Voilà. Maintenant, moi, c'est de ça, quand tout ça a été, des gens posaient des questions, il y en a eu deux ou trois. Donc, première chose, quelle issue pour les travaux? Deuxième, non, d'abord de la légalité de la gouvernance. Hein, de sa légalité. Ensuite, des travaux. Des conclusions. Des conclusions. Mmh. Hein, et enfin, la souveraineté nationale. La souveraineté. On veut que la conférence se déclare souveraine, qu'elle se déclare assemblée constituante. Ainsi de suite. Donc tout le monde est allé. Les gens sont allés de Caribe en Silas, tout ça là. Et bon, finalement, Monseigneur a pu dégager ces trois questions. Et il était question d'aller voir Kérékou et de l'écouter sur ces éléments. Parce que Kérékou m'a dit non, c'est à lui de venir s'expliquer devant la conférence nationale. Les gens ont pris peur. Il est arrivé ce mercredi 21. Et donc,
mercredi 21 février 90 était un jour particulier. C'était pas un show, c'était pas ce jour-là fait le show. C'était là, il a plutôt ouvert la voie. Ouais. En fait, la conférence a été lancée réellement ce jour-là, parce que il leur a donné. Mais bon, on va pas anticiper pour demain. Okay, mais c'était plutôt le lancement de la conférence nationale réellement, le 21. Alors 3-4 ans après, mercredi 21. Oui. Et prochain, et demain donc. Demain, oui. Tout le monde sera câblé. Câblé bon, évidemment, aujourd'hui, on a le câble, c'est peut-être le réseau Internet. Oui, c'est WhatsApp. Tout le monde sera câblé, direction Porte-Novo. Pour le débat sur la révision de la Constitution. Ouais. Non, heureusement, ce n'est pas une question de vie ou de mort. Mmh. Ce n'est pas une question nationale particulière. Mmh. C'est un débat, comme je l'ai dit, toujours anecdotique. Mmh. Mais bon, on verra bien sûr à quoi ça va attendre. Mais bon, les similitudes des dates, les débats, oui. Tout ça donne l'impression que, bon, voilà, le Damé devenu Bénin reste vraiment particulier et que nous aimons parfois nous faire peur inutilement. Ou nous aimons faire des débats parfois pas nécessaires. Nous aimons, c'est que quand c'est l'adage, non, à Montana, Ibolo, pour dire, non, ouais, quoi. On aime trop des débats de ce type. Dans la Ibo, c'est un peu ça, c'est comme ce que nous allons faire demain à Porte-Novo. Mais bon, j'espère bien que tout ça va aller. Donc voilà un peu l'ambiance à la deuxième journée de cette conférence nationale des forces juives. C'était, on retrouve à la fin de cette journée un certain équilibre à retrouver. Chacun, la prise de parole maintenant est dans l'ordre, les gens s'inscrivent, les gens s'écoutent. Bon, lorsque les gens de l'ancien système prennent la parole, on l'a eu. Donc, les gens voulaient une démocratie, mais ils n'ont pas appris la discipline d'écouter les autres. 34 ans après, je ne sais pas si on n'a pas avancé, exactement. Les enfants de ceux qui étaient là, donc, parce que 34 ans après, ceux qui sont là ne sont plus vraiment ceux qui sont en devant de la scène. Au-devant de la scène aujourd'hui, c'est ceux qui étaient dans notre génération ou beaucoup plus jeunes que nous, ou un peu plus âgés que nous à l'époque. Et aujourd'hui, c'est eux qui tiennent les affaires et ils n'ont pas pu faire mieux en termes d'écoute. Nous ne faisons pas mieux en termes de qualité de débat que ceux qui étaient... D'écoute de tolérance. Oui, c'est ça que je veux dire. Je ne parle pas d'écoute de tolérance, donc je parle de la qualité du débat. Le débat de qualité, ça veut dire que les gens s'écoutent et se complètent. Ici, on ne connaît pas cette affaire de se compléter, on connaît un peu une sorte de pensée unique et dans laquelle chacun s'enferme. Et voilà, et c'est ça que nous envoie à l'Assemblée nationale demain sur cette affaire donc de révision de la Constitution. Voilà, la transition est bien faite, on va se donner rendez-vous demain, journée chargée, puisque nous allons immanquablement revenir sur la troisième journée de cette conférence nationale. Nous serons également câblé sur Porte-Novo. On espère qu'à la fin de la journée, qu'on aurait quelque chose sous la dent. Et puis, demain également, le forum politique du mercredi, peut-être. Oui, au regard de l'actualité, tout ça est à voir, parce que bon, ça dépend de. Après, quelque chose va se passer à Porte-Novo, tout va. Forcément. Soit on vote, soit on vote pas. Ouais. Mais bon, ce qui ne se passerait pas, ce qui pourrait ne pas se passer, c'est lorsque. Il se passerait que tout ça est renvoyé. Oui. Parce que ça peut renvoyer aussi. Oui, ça peut renvoyer au lendemain. Mmh. Ça peut renvoyer. Donc, du coup, bon, donc il y a trois cas. Il y aura un cas où on n'aura pas grand-chose. Je pense même qu'à chaque cas, il y aura des choses à dire. Donc, je ne sais pas si le forum politique tel qu'il a annoncé peut tenir dans la dynamique. Ou alors, il y aura deux thématiques. Et parler plutôt de la situation donc à Porte-Novo, de tenir aboutissant du dénouement qu'on aura demain. Soit on a voté, soit on l'a rejeté, soit on a reporté. Donc on va voir un peu. Et après, peut-être éventuellement évoquer le sujet de résistance, c'est-à-dire ces fameux ministres-conseillers. Voilà. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à Agapit Napoléon Mafourikan. Je rappelle que vous êtes consultant politique. Vous pouvez bien évidemment retrouver nos échanges de ce soir sur notre chaîne YouTube Télé Bénin, notre site internet du même nom, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte X ETélé Live et continuez par nous suivre via notre application ETélé Bénin. ETélé avec vous, pour vous.